Allez, salut, au re tout le monde. Donc nous voici sur Sky Hill pour un nouveau run. On va le tenter toujours en normal. Alors Moviette, vous êtes habitué à vivre dans le luxe, votre chambre est meilleure de toute la ville. Commencez avec un lit niveau 3 et une porte niveau 3. Malheureusement, votre mode de vie privilégié vous a rendu vulnérable. Vous subissez 25% de dommages en plus. Il n'y a pas moyen. Si vous frappez toujours le premier, vous n'abandonnez jamais. Vous ne laissez pas tomber. Perdre est une option. Rien. Vos dégâts sont réduits de 50% dans les escaliers. Est-ce qu'on a envie de ça? En revanche, dans les chambres, on sera plus balèze. Allez, pourquoi pas, on peut essayer. Et on va prendre ça, c'est la compétence active de premier secours. Ça nous permet de nous soigner une fois. Have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Europe, please remain calm and stay inside. Turn on your home biological defense system and if you have known, directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. Service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then I was hungry and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Ok, donc c'est reparti pour un nouveau run. Alors les cassettes, on les a déjà écoutées. On garde le bénéfice des pages. Bien, bah écoutez, c'est parti. Ok. Un bâton trop cool. Une vie antérieure, on devait être un chien. Message de Julia 2. Mon oncle ne sent pas bien aujourd'hui, pourriez-vous passer le voir? Il est au 29e étage. T'as raison. Donc voilà, on va avoir des événements comme ça de temps en temps avec le téléphone portable, ils sont aléatoires aussi. Mais le 29e étage, on va jamais y arriver à temps. Alors attendez. 2-3 le bâton. Je pense qu'on va monter la dextérité cette fois-ci, on va essayer autre chose.
On aurait dû garder le couteau le temps de passer le niveau en fait. Déjà ça va être très long. Bon attendez. Ah, c'est bon. On a pris un coup gratos mais... C'est un peu mieux. C'est pas franchement mieux, mais c'est un peu mieux. Ah là, j'en ai perdu la moitié de notre vie. Ok, bonne ambiance. Le truc, d'accord, c'est pour ça. C'est parce que dans les escaliers on est tout pourri. Déjà, le bâton va être un peu plus intéressant. Ah mais on va crever. Ok, c'est le décès, c'est pas grave, on va relancer. Allez, bim, suivant. Donc frapper toujours en premier, je pense que c'est ce qui est plus intéressant. Pour l'instant, on n'a pas tout déverrouillé encore. Donc voilà, run suivant. On va envoyer Michel Turtle. Ok, le bâton c'est fait. Mais si tu le rates aussi...
Voilà, soutien psychologique. Killer 321 555, eh bien écoute, bienvenue à toi, merci pour le soutien. Du soutien, il va en falloir. Hein. Genre un passage de niveau, ce serait bien. Gain de niveau, voilà. La dextérité qu'il veut pour le bâton, hop. Bon, déjà ça. Alors c'est vrai qu'on a la compétence trousse de soins aussi là. Il s'agirait de pas l'oublier. Salut à toi Julien, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Bon, là, y a rien à fouiller. Bah écoute, ça va pas mal. En train de se faire désosser là dans Sky Hill. En attendant le début du tournoi de Blood Bowl, donc ce soir à 21h. Bah écoutez, on va essayer de manger ça, on a 50% de chance de perdre des points de santé. Non, c'est bon, c'est passé. On continue avec le piment. C'est bon, c'est passé aussi. Il nous faut donc les points de fin pour aller de pièce en pièce. Et j'ai joué contre Nerdfrog cet après-midi. Ah là là, mince. Bon bah c'est râpé pour le match d'ouverture du coup. J'espère au moins que tu lui as défoncé son équipe qu'on puisse... avoir un petit lot de consolation. Je voulais faire l'ouverture, bah ouais, comme à chaque tournoi en fait. C'est un peu le privilège organisateur de pouvoir. Oh là là, mais on a plus de vie. On a plus de vie. Alors. Est-ce qu'on utilise ça? Non, on va utiliser la trousse de soins. Voilà, premier secours. Donc on s'est offert un petit sursis. Non, équipe intacte, la sienne. Ça va être l'enfer. Okay, on a rien trouvé ici. Pas très bon ces zombies. Alors ce sont des, ouais, des mutants plutôt. Mais ils sont quand même assez vénères. On bouffe la farine comme ça. Ah
Peut-être que personne ne lira jamais ça, n'empêche, j'ai envie de l'écrire. N'oubliez jamais qu'il y a toujours de l'espoir, même ici. T'as raison. Bon, on a récupéré du coquin, on va pouvoir voilà, se remettre un petit peu. On va prendre finalement les antibios comme ça. Et là, pour remonter, il va nous falloir une barre de faim des ténèbres, mais surtout un stock de bouffe. Qu'est-ce qu'on a là ? Antidouleur, santé 15. Bon, allez, on prend tout. Ok, on a eu du pot de tomber sur du lait là-dedans. Ouais, il a intérêt à nous rater. Des bandages, j'avais des bandages, mais non, t'avais que dalle. Oh là là. Oh purée. Ouf. Oh non. Incroyable décès. Donc, Michel Turtle, il y a les tâches 84. Allez, on est reparti tout de suite. Et pour l'instant, c'est 10 minutes par partie, alors que l'autre a duré quasiment plus d'une demi-heure. Bon, on va garder sa cage, hein. Franchement. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte, mais est-ce qu'on peut le faire qu'une fois ou plusieurs fois? C'est la question. Mais écoutez, on n'aura pas la réponse tout de suite. 500 croquettes. Bien, GG Hammer, avec 1500, tu pourras faire un cash et repartir avec un jeu. Allez, bâton direct, bonne nouvelle. Ok, bonne nouvelle. Il faut pas des trucs vides. Il nous faut des trucs bien pleins, avec plein d'objets, plein de trousses de soins. Bon,
jusque là c'est pas mal. Oh là là, bah merci Turtle et merci pour Hammer du coup. Ça, c'est très gentil. Incroyable Turtle. Est-ce qu'on peut voir... Ah mais non, comme c'est un abonnement offert, on ne voit pas l'ancienneté. Un peu d'encouragement, mais merci beaucoup. Du coup, Hammer, t'as droit aux petites icônes et la papette. Également un bonus de croquettes. Ah, mais j'ai oublié de prendre le niveau. Ah, ça, c'est l'effet Turtle. Une trousse de soins dans le distributeur. Allez, on continue. Oh là là. Grande trousse de soins, elle est parfaite celle-ci. Il faudra manger maintenant. Quand même un petit peu mieux au niveau de la RNG pour l'instant. On rate beaucoup moins de coups que la partie d'avant. Ah ouais, elle soigne de 80 celle-ci. Pour l'instant tout va bien, on va pas parler trop vite parce que on sait comment ça peut tourner. Ça passe tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Mmh.
Ok, gain de niveau. Continue de maxer la dextérité pour utiliser le bâton. Bon, très bien, au prochain combat on utilisera la trousse de soins. Alors, coupure de presse numéro 4, actuellement seul survivant d'une attaque de tueur en série, les enquêteurs ont déjà eu celle-ci. Ok, bon, c'est là qu'on utilise la trousse de soins. Là, tout va mieux. Non mais lui il nous met tellement cher à chaque fois. Je pense qu'avec tout ça, on va remonter. On va aller crafter des trucs. Mais ça nous consomme quand même deux de bouffe de prendre l'ascenseur. Okay. Bon, truc de soin. Là on a ce qu'il faut. Là on a ce qu'il faut. Là, il ne manque que du scotch. On peut fabriquer du scotch. Ok, on va donc s'équiper de la hachette. Bon, il se fait un petit repas avec ses miettes. Alors, on va manger ça. On va manger ça et ça aussi. Voyons fou.
On y va, on bouffe la boîte de croquettes. Et ça se passe un peu mieux au niveau des gars là. En plus de ça, il est déjà entamé. Bon, on va faire attention quand même. Alors ça c'est le one shot, si on avait pu faire ça dès le premier coup, plutôt que de le rater. On a toujours plus de dextérité. On va augmenter un peu la précision aussi. Et j'ai Exebus pour le level up. Et voilà. Il y a du bien mieux là. On va voir si on dit GG pour réussir à faire la mission au floor 29. Alors on ne l'a plus je crois cette mission puisqu'on a fait une nouvelle partie maintenant. Mais il y en a d'autres qui vont revenir normalement. Alors le tour supplémentaire, merci beaucoup. Oh là là, incroyable, mais tout ce qu'il avait comme bouffe sur lui. Écoutez, on va manger tout ça. Salade. Gna. Bon, mais déjà faut l'atteindre, le floor 29 c'est pas gagné. Alors surtout pour revenir à la base en haut, il va falloir réparer tous les ascenseurs qu'il y a entre les deux. Quand t'es au 29, si t'as pas 70 de bouffe là. Bon ça au niveau réalisme c'est quand même pas terrible. Hein. Se dire le gars il peut crever de faim juste d'avoir monté les 100 étages. Message de témoin. Alors il dit, nous nous retrouverons au 70e paradis et tu renaîtras dans ta pureté primale. Donc ça c'est 70e étage. Alors après faut se méfier, hein. Il y a des boss aussi dans le jeu. C'est toujours des bonnes choses quoi.
Bon, là, ce serait bien une petite trousse de soins, par exemple. Et salut à toi, Signe Noir, bienvenue sur le live. Effectivement, il y avait une petite soif. Voilà, là, tu n'as rien vu. Planqué dans l'armoire. Ok, bon ben, il nous force à utiliser notre grande trousse de soins. Alors attention, ce sont pas vraiment des zombies, ce sont plutôt des mutants, et c'est pour ça que ça pourrait expliquer une certaine intelligence. Mais effectivement, on était coincé tout en haut de cet hôtel. Tour supplémentaire, merci. Et maintenant, on essaie de descendre. C'est compliqué. C'est compliqué, mais pour l'instant, la RNG a quand même été un peu de notre côté. Pu fabriquer la hachette assez vite. Voilà, qui nous aide beaucoup. Du scotch, oui. Alors. Et tout en terrassant les esprits malins, il franchit le 62e portail menant au paradis. D'accord. Toujours plus bas. C'est-à-dire que si on t'a déjà pas rattrapé au 70e. Il est un peu gros celui-là. Débile. Ok, on a pu jouer deux fois, ce qui doit être un peu plus lent que les autres. Oh là. Gain de niveau. Merci. Qu'est-ce que c'est, un oignon? Tout ça pour ça. Oh la loose. La grosse loose. Bon, on va prendre le niveau. Dans la dextérité, toujours. Là, on pourrait remonter, par exemple. Mais est-ce qu'on aura de quoi... Écoutez, on va descendre encore. Bon alors, empoisonné, comment ça se passe? Ah.
empoisonné, on peut pas l'enlever. Antidouleur. Bon, bah écoutez, voilà. Empoisonné, quoi. On perd un point de vie par, par pièce. Terrible histoire. Alors, ils nous ont pas laissé le choix, nous avons été obligés d'accepter leur fardeau de ce péché sur nos âmes, nous ne pouvons pas tolérer d'autres morts, ni... Leur destin a été scellé lorsqu'ils ont décidé de fournir des armes nucléaires à des groupes terroristes. Des antibiotiques pour l'empoisonnement, on a essayé d'en prendre, ça n'a pas fonctionné. Donc je sais pas s'il y a une solution à ça. Pourri. Ah. Yam. Bon, tant pis, on va prendre les bandages comme ça. Bon, je craque tout, mais j'ai l'impression que ça va être la fin sinon. Il y a du chocolat. La vache, ça s'arrête jamais, mais oui. Des câbles, de l'eau. On pourrait avoir plutôt des trucs à manger et des bandages. Après, on n'est jamais descendu aussi bas, hein, 62e. Ok, ici on va pas survivre. Voilà. On va faire ça, c'est plus prudent. Tout ton sucre. La fuite en avant. Alors, ce puissant monument au héros de la guerre. Là, on nous raconte un peu ce qui s'est passé avant. D'accord. Salut Nounours. Twitch, il y a plus de monde, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas vérifié si le chat était affiché. Je vais régler ça à la pause. Alors encore un petit quart d'heure si le personnage veut bien continuer de vivre. D'accord. Le problème c'est qu'on peut pas se battre, on est en train de perdre des points de vie gratos. Oh là là. Voilà, l'autre problème c'est que si je remonte, il nous frappe gratos. Oh là là, le rate pas, ouf. On a peut-être une chance. Et non.
annoncer le décès à l'étage 57. Eh bien écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Non, on va pas se relancer dans une partie, encore que non, on va pas se relancer, on va envoyer la petite pause stagiaire et on se retrouve tout de suite pour la suite de la soirée.